Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau playthrough. Aujourd'hui nous allons jouer à Chimeras Remède Mortel édition collector numéro 1 sur le site Big Fish Games actuellement. Donc en fait aujourd'hui on est quelle date, je sais plus du tout, on doit être on est le 5, merci Juliette, et je suis accompagné aujourd'hui de Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour à tous, et je suis avec Jordan pour ce playthrough. Cool. On va faire donc un playthrough à deux voix pour une fois, voilà, je vais pas être tout seul à jouer. On va jouer tous les deux avec nos petits délires, et bien entendu, n'hésitez pas tout de suite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et ça fait toujours plaisir. Alors on va juste configurer le son, histoire qu'on n'ait pas trop de problèmes. Et allons-y, c'est parti, en mode détective, toc, allons-y. Donc pendant le chargement, donc je crois qu'on va, devoir sauver des enfants malades aujourd'hui. Chaque jour on a une mission différente, aujourd'hui on va sauver des enfants malades. Pourquoi pas. Lord Lankerman, Ronas. Dear detective. I've heard a lot about your brilliant work, so I'm writing you for help. An epidemic is spreading amongst the children in our town, Ronas. We caught the man responsible for spreading the disease, but he escaped. We would really appreciate your help. Yours faithfully, Lord Lankerman. Oh. Ah ouais, direct. Set d'objets cachés. Ok, alors... explorer la cellule. Donc, un portrait. Désormais, je sais qui chercher. Je dois me souvenir de son visage. Des fers. Si tu vois un objet, n'hésite pas à le dire. Oui, tac. C'est un indice. Alors, du sang. Mandat. Avis. Pour avoir causé la mort de sa propre fille, le docteur Barnes est condamné à 10 ans de prison ferme. Lord Régent Lankerman. Un gant, une chemise, une hache. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Tasse, flasque. C'est quoi des flasques? Ou flasques? C'est des petits bocaux, comme cela en fait. D'accord. On apprend des trucs en même temps, c'est toujours très très cool. Empreinte de pas. Alors où est-ce? Là, elle est juste là. Ah super, merci beaucoup. Et être à deux, ça va être beaucoup plus efficace aussi pour jouer. Des pièces. Alors, il doit y avoir un truc à le casser. Coffre, là, regarde. Où ça? Là, il y a un coffre. Ah non, c'est des livres. Non, c'est des livres. Tout va bien. Tout va bien. Là. On pique de l'argent. Oh, dégagez la sortie. Il nous arrive que des couilles. Hop. Allez, une pierre après l'autre. Tac, tac. Les pierres, en fait, c'est du plastique. Bien joué. What? Ah, c'est la fameuse chimère qu'on retrouve à chaque fois dans l'aventure. Oui, parce que c'est pas le premier épisode. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une grosse bête volante en colère. Suivez la bête volante. Alors déjà, on va reconstituer ça. Ça devrait pas être très très dur. Tac. Il prend pas celui-là. Ouais, on va déjà faire les bords. C'est le plus facile. C'est toujours le plus facile. Tac. Docteur Edward Barnes, adresse 12 rue de la Forêt. Ok. Alors. Il y a des bougies là. Exact, ouais. Il y a des objets métamorphes aussi, t'as vu? Ah oui, le petit parapluie. J'ai pas fait attention. Et ça fait un parapluie sur 29. Alors. Une insigne. Et là, il manque les fers. Oh, on a des pièces de puzzle aussi à récupérer. Alors, pas mal de choses. Regarde. Alors. Il manque qu'est-ce que c'est que ça? Un bout. Liste des châtiments, avril, emprisonnement à vie pour fraude, mai, amputation de la main pour vol, juin, décapitation du docteur pour propagation de maladie, à emporter hache, acide et corde.
Ils étaient barbares au Moyen-Âge. Hein. Je vois ça. Il manque un objet pour ouvrir. Ah ouais, il nous manque quelque chose pour pousser le verrou et ah, là il une manque... Une sorte d'oiseau, je crois. Ah oui, l'oiseau, ouais, exact. Et là, il manque un scarabée. Tac. Là aussi, il manque quelque chose. La Gazette de Ronas. Une épidémie fait rage. Des mesures de mise en quarantaine ont été introduites. Restez sur vos gardes et ne quittez pas la ville. Alors, on va mettre le symbole ici. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. T'as trouvé la partie manquante. Un collier... Et un fer de cheval doré. Ouais, il me manque des boutons en fait. Ouais. Il... Là aussi. Non, j'ai cru voir. T'inquiète pas, on va de toute façon tout examiner. Ah, ouais, il y avait bien une pièce de puzzle. On voit. Fait trop sombre pour que j'arrive à lire les panneaux de signalisation. Bah, si on les voit. Ah non mais oh. Alors, hop. Oh, un scarabée. Ah, tu dois le mettre en... Tu dois le mettre au niveau de la bougie, ouais. Exact. Qu'est-ce que c'est que ça? Sélectionnez les scarabées dans le bon ordre pour obtenir la torche. Oh non! Je déteste les ennemis. C'était rapide. Ouais, ouais. Mmh. Alors, en même temps, j'ai piffé. Je piffe toujours d'habitude. Hein. C'est assez hallucinant. Une torche pour la lumière. Tac. On verra mieux les panneaux normalement. Oh, trop bien, on les voit mieux. Ah, il me faut l'adresse exacte. 12 rue de la Forêt. Ok, donc on peut pas aller ailleurs, par contre on peut aller là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ce monstre manigance? Explorer la maison du docteur Barnes. On va explorer. Ouais, tu peux faire un truc dans l'arbre. Ouais, alors, le parapluie d'abord. Oui. On récupère des parapluies en fait. Ouais, je sais pas à quoi ça va nous servir après, mais sûrement dans les bonus. Hein. On va peut-être débloquer des trucs. Ouais. Ah, attends, on a bien là. Le fuyage. Et quelque chose de coincé derrière, et je dois me débarrasser de ce lierre. On va pouvoir s'en débarrasser quand on aura l'outil adéquat. Suzy Barnes, 1770-1780. Bah, dis donc. Elle est partie jeune. Hein. Oui, ça se voit. Regarde la statue. Ouais, c'est une petite fille. Dans l'arbre, ouais. C'est coincé aussi. Il manque une abeille. Ouais, c'est surtout qu'il manque une abeille. Si tu vois un morceau de puzzle, n'hésite pas. Puzzle. Puzzle. Si tu peux. Ah, il y a peut-être un morceau de puzzle ici. C'est jamais, hein. Et tu voulais dire... Ah, d'accord, ça mène au même. Ouais, ça mène, voilà. D'accord. Ah, il y a peut-être un, un morceau de puzzle ici. Je sais pas si en plein dans ça, mais... Ah. Tu as coupé cette corde. Rien pour... Ah, il faut une serrure. Une clé. Remède, la santé de votre enfant empire, ne perdez pas de temps. Le docteur Barnes peut vous aider. Ouais. Alors pour l'instant, il peut rien faire. Ouais. Une partie de la décoration. Ah, pièce de puzzle. Pas évident. Non. Une pièce de puzzle. Un livre. Alors, je vais protéger mes mains, bien entendu. Ouais, le... C'est quoi ça? Je sais pas du tout. Bouton et le livre du guérisseur. Donc là, on va devoir récupérer des petites feuilles. Ouais, il faut faire attention, alors regarde. Un bouton. Est-ce que t'as vu un endroit où il y avait un besoin d'un bouton? Non, pas du tout. Je crois que ça brille. Ça brille? Ouais, mais en fait, il n'y a rien. Alors, on a la carte ici, qui peut éventuellement nous dire s'il y a des choses intéressantes. Et là, il y a l'indice. Le fameux indice. Peut-être qu'il y a un truc. Non, il n'y en a pas. Ah, si. Ah, oui.
Ok. Énigme. Déplacez les boutons bleus dans la partie du haut et les rouges dans la partie du bas. Le nombre de coups qu'il vous reste est indiqué dans le coin à droite. T'as dit coups ? Ouais, alors. Si je me souviens bien. Les bleus au-dessus, les rouges en bas. Faut juste pas se gourer en fait dans le. Dans l'ordre. Ça va être compliqué. Attendez, ouais, je crois que c'est comme ça. Tac. Mince. Raté, je crois. Ah non, t'as de la chance. J'y étais presque. Ouais. J'avoue. tac tac tac. En plus, je suis en mode difficile. Donc là, il va falloir faire descendre le rouge ici. Attends, tac. Ouais, tu es presque. Oh. À chaque fois. Ouais. On va le mettre en mode normal, comme ça. Tac, 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 tac. Ça fait quoi si c'est en mode normal? C'est un peu plus facile, je crois. On donne un peu plus de coups en général. Ouais. Là, t'as bloqué. Hein. Ticket blanc. Voilà, en mode normal, voilà, t'as un peu plus de coups pour y arriver. Tac, donc, on a récupéré une fine tige en métal et un parchemin. Un parchemin que de toute façon, on va pas pouvoir ouvrir. Là, la fine tige en métal. Au début, je pensais qu'il manquait l'oiseau, là. Bah, je pense que ça doit être une autre partie du placard. Ah oui. Emblème du guérisseur. Ah, va revoir au niveau de la maison. Au niveau de la maison? Ouais, va sur au niveau de la porte, je crois. Ah oui, c'est ça, ouais. Bien joué. Ah, t'as eu des feuilles. Où est-ce qu'il y avait le truc avec les feuilles? Les feuilles. Les non, c'est l'abeille, là. Non, là, c'est pour oublier quelque chose. Mince! Bah, c'est sur le livre, les feuilles. Mais t'as peut-être pas assez de feuilles pour les remettre. Ouais, pour l'instant, il me faut les 7. Mais c'est un, ce symbole de laurier, on l'a vu quelque part il n'y a pas longtemps. Ah bon ? Oui. Je suis sûr et certain, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Ah, l'oiseau, regarde, on l'a eu. Parfait. On va pouvoir donc débloquer ici. Ah, de l'acide, je crois. Et ouais, bingo. Oh. Alors, avec l'acide, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Plein de choses, je pense. En fait, on peut dire qu'une fois, mais... Ah, les chaînes, peut-être. Eh, hey, bien joué! Comme ça, du coup, ça, la feuille... Au niveau du portail, une autre... et des ciseaux. Pour le laurier, les ciseaux. Bingo. Non, même pas. Même pas. J'aurais dit. Ah, l'abeille. Ah oui. Du coup, on a récupéré une des pattes. Ici, on va pouvoir placer l'abeille. Une énigme. Oh. Tu fais un jeu de cartes, regarde. Avec des abeilles, tu sais. Et si tu te gourres, tu te fais piquer. Ah où est-ce que c'était l'énigme? C'est bon, tu l'as faite, mais t'as rien gagné.
Si, j'ai gagné une scène d'objets cachés. Ah, c'est trop bien quand tu fais une énigme, mais que du coup, tu tombes à la fin sur une scène d'objets. Alors, n'hésite pas, hein, si tu vois un objet... Ouais. Ah, l'objet en forme de coque. En forme de coque ? Ah oui, bingo. Il y a plein d'objets, donc une pomme, il faudrait une sorte de pomme. Forme de pomme. Ouais. Je te laisse la chercher, j'essaie de trouver la tortue. Ah, la pomme, elle était là. Ok. Elle était sur le dos du hérisson. Le dos du hérisson, pardon. Il ne reste plus que la tortue. Et c'est Franklin. où est la petite tortue? Je me sens si faible, mais mon papa est auprès de moi. C'est le plus malin et le plus gentil. Je suis sûr qu'il nous sauvera tous et personne ne tombera jamais malade. Ouais, bah t'étais un peu euphémiste, hein, ma petite. Ah non, j'ai cru. Moi, je veux devenir une princesse. Non, tu ne seras pas une princesse. Tu seras femme de ménage. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Ouais, t'imagines le truc trop glauque, quoi. Ouais. Bah, dis donc, la tortue, elle est bien cachée. Ouais, ou alors on est vraiment aveugle. C'est ça. Ouais, elle doit être juste devant, mais... Ouais, pourtant... Bah alors? Ok. Ni toi ni moi, nous n'arrivons à la trouver. Elle est bien cachée alors, hein. Parce que moi... Purée, à tous les coups, tous, ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous regardent sont en train de dire « Ouais, celle-là, vous le voyez pas !» Non, ça c'est la carte. Un indice. Ça doit être tellement évident. Oh, le chapeau, le seul truc mais sur le... Ça fallait penser. Ah, c'est surtout quoi, les objets où t'as des interactions sont pas forcément visibles dès le premier coup. Ouais. La clé. Bah ouvre la... Ah non, vas-y. Ah, attends. L'empreinte de... Je mettrai une des empreintes de pas, comme ça me libère un peu de place. Bon, c'est que Pouic, mais... Alors, il n'y a personne. J'admettrai qu'il a une jolie maison. Et tout? T'as trouvé. Ouais. C'est peut-être une pièce de puzzle. Ma Suzy chérie, tu es mon monde. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te sauver, toi ainsi que les autres enfants. Ah, les coincés, là? C'est quoi ça? Il y a une toile d'araignée. Okay. Et il manque un livre. Hein? De quoi? Je croyais qu'on pouvait prendre un truc. Ah ouais. Ah, les puzzles, ils étaient là. Là en bas. Il manque une sorte de forme. Il manque trop plein de trucs en fait. Ouais. Là pareil, le cerf, il manque ça. Une sorte de un bois. Il manque des bois, c'est carrément plusieurs. Ah, l'empreinte de loup. Ah, elle est attachée, mince. La peau. Alors. Je perds toujours la clé du laboratoire, c'est pour cela que je garde un double. Peut-être trouverai-je dans le laboratoire quelque chose qui m'aidera à répondre aux questions que je me pose à propos de l'épidémie qui se propage en ville. Mais on peut toujours pas aller dans le laboratoire. Ouais. Il faut qu'on trouve la clé. Il faut qu'on et trouve... un livre aussi. Ah. Tac. Il faudra un truc aussi peut-être pour le deuxième tiroir, je suis pas sûre. Mais... Peut-être, ouais. Il va falloir aussi ça, ouais. Je regarde juste... Si on a tout fait. En allant là... Ah, pour le cerf. Bingo. Il manque une forme, une sorte de forme. Je crois que c'est un... C'est une feuille, mais je sais pas quel type d'arbre. Ouais. Ah, la clé. Clé du coffre. Ah mince, c'est pas vrai. Ah, le livre. Un livre et une autre fraise. Petite énigme. Oula. Oula. Moi, si je te dis que je n'y trouve pas. Tac et tac.
Même pas. Ah mais non, même pas. C'est compliqué leur machin. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Moi j'ai toujours pas compris. Eh ben non, ça fonctionne pas. Bah alors ? Tu peux rien prendre de là-haut ? Non. Ah, j'aurais dit que ouais, qu'ils sont comme ça les livres parce qu'ils se relient tous les deux. Ah non. Je comprends pas. On n'a pas encore vu cette forme là alors. Comment veux-tu trouver ça? Ça doit être tout bête. En plus là t'es en train de faire un pif. Un peu ouais. Là tu vois là j'ai l'impression que la forme elle est bonne. Ouais. Ah attends, là il y a l'indice. Oh la nulle, les nuls. Ah, c'était juste dans l'autre sens, sinon t'étais bien tout à l'heure comme je t'ai dit. Oh. Ah génial. Oh. Ouais, purée, non mais en fait il y avait l'indice qui était tellement évident depuis le début. Alors, ouais, le chien qui réclame, t'inquiète pas. Ruban. On va pouvoir... Tac, tac, tac. Et on a donc un balai. Un balai qui va nous permettre du coup de nettoyer ça. Et de récupérer un harnais et un morceau de fragment de globe. Le harnais. Le harnais. Alors, attendez, est-ce que je suis en train de réfléchir en même temps? Pour le cheval, du coup, tu te souviens qu'il y avait un harnais à lui mettre? Ouais. Là. Ah oui, parce qu'on voit la marque. Ouais. Ah ah ah. Regarde, il a nous a libéré une pièce. Pourquoi un cheval mangerait-il une pièce? C'est la question. J'avoue. Baptiste de question. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Ça me dit rien la pièce. Non. Où pourrait-elle aller? Bah, il n'y a que dans la maison qui doit être. Parce qu'on est, on peut, il n'y a que deux endroits alors. J'avoue. Très loin. J'avoue. Alors le coup de la pièce pour la vis, tu vas j'allais voir. J'allais te le dire, j'étais vraiment pas sûre. C'est régulier ça. Tu cherches un tournevis, mais en fait non, c'est juste une pièce qui a déjà dévissé des vis avec des pièces. Quoi. Ah, une autre fraise. Ouais. Une fraise verte. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Par contre, on a toujours pas la clé de la porte. Ouais. Bah, faut faire quoi maintenant? Si on n'a rien d'autre à faire. Où va-t-on dans aller? Ah bah, les fraises, oui. Elles s'installent là. Il y a manqué une. Vas-y, allez. C'est quoi? Clé du laboratoire. Ah. Qu'est-ce qu'on va tout voir? Ah, un squelette. Ah, attends, qu'est-ce que c'était ça? Qui cela peut-il être? Je n'ai vu personne dehors. Alors, je parlais du jeu, hein, bien entendu. Là, on en a 7. Bonjour! C'est moi le squelette! Alors, est-ce que tu vois? Oui, moi j'ai vu le parapluie. Il manque la pièce de Pulse. Je pense qu'il y en a une. Elle est là. Ah, j'y trouve jamais, moi. T'inquiète, tu vas les trouver. Oh, un coffre. What? Il manque un bouchon. Ah. C'est pour ça. Ça faisait un bruit. Il y a une forme aussi. Là, il y a des formes. Là, il n'y a rien à faire par là. Non, tu vas peut-être pas le prendre comme ça. J'avoue. Une forme de feuille aussi.
89, hein, c'était marqué. 89 ? Ouais. On dirait un 9. Ah ouais, on dirait un 9. Bah c'est peut-être 89 en effet. Hein. Ouais. Alors, Ça va. Il manque un morceau. Non, c'est vrai, il y a une sorte de cercle. Ah mais autour il y a des trucs. Alors le livre. All of the children in the town got sick, and nothing seemed to help. Ouais, donc du coup ça on le sait. I received an order from Lady Lackerman to make a vaccine. She promised to pay me well. My daughter and I wouldn't say no to an opportunity to earn money. Lady Lankerman's son, Sam, was very sick. I knew I could create a remedy to cure the children. Ok. Ah, oui, donc du coup, il a tenté de créer un remède. Ouais, ça mais... dit quelque chose, la fin. Ouais. Le remède est peut-être dans le chaudron, je sais pas. Et voilà la fin du jeu. C'est la fin, c'est terminé. Non, c'est pas du tout crédible. Ok, alors ça, c'est la partie de décoration du portail. Ah oui, j'ai pas... Ah, une énigme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut avoir la même forme que l'autre côté, c'est ça? Ah, faut que ça suive le... Regarde, faut que ça suive la forme. Ouais, bah c'est ce que je t'avais... J'avais pas entendu. Un phénix. Deux phénix. Exactement. J'avoue. Tellement de swag avec le phénix. Et voilà. Vous êtes une énigme facile. Hein. Oui, c'est ultime vrai. Effort. T'as vu la tête du chien sur la récompense. Ah là là. Allez, on va avancer. Ah, les Lankerman habitent ici. Je devrais essayer de les interroger. Une louche. Tu sais, il y a une personne au fond, mais en fait, il dit rien que tu voles la louche. Bah, qu'est-ce que vous faites avec cette louche? Bah, je fais rien. Je vais cuisiner. Ah, l'emblème de serpent. Ouais, et là, il y a l'emblème du poisson, donc du coup, on va falloir qu'on le récupère, mais je sais pas quand. On va parler au monsieur aussi. Ouais. Bonjour. Yes, yes, I heard you're investigating the area. There's a sick child in the castle, and I was ordered not to let anyone in. Also, I can't go anywhere, and I'm awfully thirsty. Mais t'es galère, toi! Ouais, donc t'avais raison, va falloir détourner son intention. On va essayer de trouver ça, on va essayer de trouver ça. Alors, tac... Ici. Oh. J'ai dit on peut prendre les bijoux. Il est bloqué. Les clés bleues. Une sorte de ligne. Besoin de la combinaison. Combinaison? Ouais. Ah oui, j'ai compris. Faudrait une sorte de... sur la pharmacie, tu sais le... Il y avait un peu ça. Ouais, il y a le symbole des serpents. Ouais. Je sais pas qu'on va l'utiliser le collier. Je sais pas du tout non plus. C'est trop loin pour que je puisse l'atteindre. Oh non. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelque chose à faire ici. Ouais, c'est dans la maison du docteur. Si tu téléportes. Je me suis téléporté. Ah là, bah oui, la louche. Bien sûr. C'est parti. Hop. C'est de l'acide le machin, non. Un œil. Oh. Qu'est-ce que ça fait là, un œil? J'aurais dit pas un œil, mais j'aurais pas dit un œil, je veux dire. Bouchon, on en a toujours pas. Ouais. J'avoue. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire par là. Un truc à faire ici. Non, là on a tout fait là.
Ouais, là c'est juste pour le parchemin pour qu'on y ait encore accès. Il manque un œil. Ah, je n'avais pas vu ça. Non, j'ai pas fait attention moi aussi. Cool. Ah, le bouchon. Ah, je crois que c'était le bouchon. Ah, c'est surtout la clé. Ok. Une règle. Une règle, on va taper des enfants. On va taper des enfants, ça sera dans le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode. En tout cas, merci à tous et à toutes de l'avoir écouté, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite de cette aventure. Je vous fais des gros bisous. Allez, le dernier mot pour toi. Au revoir tout le monde. Salut à tous.